nous sommes trois dans l'entreprise, mon épouse et un apprenti et moi. Ici, on a les valeurs de l'artisanat, donc on fabrique les produits de A à Z. On reçoit les matières premières, on transforme. On fait des pains de tradition, pains bio, pains signés Poitou-Charentes, avec la démarche signée Poitou-Charentes. Le petit épaute, on fait des pains au levain naturel. On travaille tout en pousse lente, avec des bonnes odeurs de transformation des levures et des arômes naturels. Pour nous, les tournées, c'est très important car on maintient la vie sociale, on maintient des personnes chez elles qui évitent d'aller en maison de retraite. Et c'est le petit bonheur de la journée, le facteur, la boulangère. Nous avons lancé un nouveau concept de galette à l'angélique car on valorise le territoire avec l'angélique, le beurre AOP, la farine et l'angélique signée Poitou-Charentes. Donc je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait plusieurs entreprises qui avaient réussi en s'exportant dans les yaourts, dans les biscuits, le beurre. Je me suis dit, David Fèvre, pourquoi pas toi? Donc voilà, une galette que je fais depuis 14 ans. J'ai décidé, avec Angélique, de faire un concept en cercle en bois. De là, on est parti à faire une vente sur Internet, sur une boutique en ligne. On est sur 5 départements, le 33, le 17, le 16, le 85 et le 79. De là, on a lancé la brioche à l'ancienne. Donc tout le monde a adopté notre brioche à l'ancienne. Et c'est pareil, donc... on fait jusqu'à 500 brioches par semaine. Le chiffre, il monte, il descend, il monte. Bon, je pense qu'avec les galettes, là, il monte bien. C'est bien parti, là. Il faut y croire. Donc, j'espère pouvoir embaucher un autre apprenti. C'est mon souhait, de créer de l'emploi. J'ai toujours une idée. On dit que j'ai une idée toutes les 3 minutes. C'est vrai, bon, faut trier. Hein. Donc, j'ai lancé la fête du pain. J'avais dit à mon apprenti, en 2007, on va faire la fête dans ce village. Je me suis rendu compte que les gens ne se connaissaient pas entre voisins. Donc je me suis dit, on va rassembler tous ces gens-là et nous attirons 2000 personnes sur la journée. Vide-grenier, marché fermier, on fait une messe avec bénédiction du pain. Cette année, on valorisera, vous voyez, je vais vous le montrer, les meilleurs ouvriers de France, car j'ai donné ma candidature cette année pour les meilleurs ouvriers de France. Je suis le seul candidat en Deux-Sèvres. Bon, c'est pas facile, on verra bien. Mais qui n'essaye pas, n'a rien. Donc j'y crois. Vous savez, tous les jeunes qui viennent chez moi en stage, ils ont tous envie de faire boulanger. Et ça, je suis content. Et les représentants qui viennent chez moi, ils me disent, Monsieur Fèvre, c'est de l'oxygène quand on vient chez vous. Parce que, ben voilà, il y a toujours des nouvelles idées. Et puis voilà, là, on a envie de donner du bonheur, du plaisir aux clients.